20h au siège du Front National à Hénin-Beaumont, c'est l'explosion de joie. Avec plus de 18%, le score de Marine Le Pen est historique. La satisfaction est immense chez les alliés de la Jeanne d'Arc locale. Nous enregistrons un score plus élevé qu'en 2002, plus élevé qu'au deuxième tour de 2002. C'est la première fois que le Front National fait un score aussi élevé. Et pour les législatives et pour les prochaines élections, nous sommes le premier parti d'opposition. Avec un score de 35% à Hénin-Beaumont et une percée dans de nombreuses villes du bassin minier, le Front National confirme son ancrage sur le territoire. De bon augure pour des militants heureux qui ont fêté les résultats au Champagne. Très belle remontée de Marine Le Pen, oui. Et qu'on soit devant Mélenchon, qu'on annonçait devant Marine il y a une semaine, c'est déjà une énorme satisfaction. Alors qu'est-ce que vous allez voter maintenant au deuxième tour ? Franchement, j'en sais rien du tout. En tout cas, pas Sarkozy. Moi, personnellement, je vais voter Jeanne d'Arc. Et ma voix n'ira pas à des traîtres au pays, que ce soit de gauche ou de droite, le fond est le même. Tous les regards sont désormais tournés vers les législatives. Marine Le Pen, qui devrait être candidate dans la 11e circonscription, devrait de nouveau faire parler d'elle.